se promenant dans les rues du centre historique de Corsi, on est plongé dans l'atmosphère d'un Salento authentique, à l'ombre de la chaude pierre locale. Place Pio XII, c'est le cœur du centre historique de Corsi. Ici, l'église mère se dresse majestueusement sur les paysages de la ville, et la caractérise avec ses géométries solennelles et son petit dôme. Au sommet, il y a la statue en pierre de Saint Nicolas, saint patron de la ville et protecteur de l'église paroissiale. La charmante architecture est ravivée par la présence de l'iconographie d'un dauphin, motif décoratif sculpté sur les volutes. L'église a été reconstruite plusieurs fois du XVe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, lorsque la façade principale a été modernisée et complétée. Le clocher date du XVe siècle et atteint 27 mètres d'hauteur. Il est caractérisé par des jolies colonnes et des guirlandes sculptées dans la pierre. Forme architecturale qui donne équilibre et élégance à toute la structure. L'élément principal du centre historique est la pierre de Lecce, qui, dans les journées ensoleillées, prend des nuances chaudes et vives. Il est facile de se plonger dans les pittoresques labyrinthes de maisons et palais, dans son éventail d'architectures d'époques différentes qui se ramifie de la place principale de la ville jusqu'à l'ancien couvent des Pères Augustins. L'hospitalité grecque revit dans la culture des Corsi et elle est visible dans les larges cours, habitées et jalousement gardées aujourd'hui encore par les familles du bourg.